Enfant. Elle est où ma choucroute? Hein? Normalement, je prends une bonne choucroute. Au moins là, on est sûr, on va pas tomber malade. Pareil, pas là-dessus. Hein. Après le palais, son retour, on s'arrêtera. Tranquille. Moi, je vais laisser mon gars. Bon courage. Bon, let's go. Collaborateur, mon avant. Mais ça arrive des fois. Bah ouais. Je connais un acteur, tu sais, celui qui a fait l'Argo Winch. Tu vois qui? Merci Sisley. Ouais. Il a fait un TEDx, en plein milieu du TEDx, gros blanc. Et il s'arrête et il dit, je suis désolé. Ah, il a tout dit. Je sais, j'ai un blocage, je sais pas dire la suite. Putain. Alors tu pourrais dire un acteur, tu vois, de fou. Ben on n'a pas de transpalette, on met tout dans l'ascenseur et il faut aller à quel étage? Je vous entends plus. Backstage là avant la convention, il y a pas mal de monde, hein. 2000, 2005, tu vois. Comment tu te sens? Bah écoute, ça va, c'est vrai que j'aurais bien voulu me poser un peu plus, ça va. Les gens ne savent pas vraiment que je... Enfin, ils savent qu'il y a une surprise, qu'il y a quelqu'un qui va intervenir, mais ils ne savent pas qui. Ils savent encore moins que je vais me mettre debout. Ah bien, on va aller voir vite fait la salle. Timer. Ok, juste moi j'ai 30 minutes. T'as un petit timer. T'as 30 minutes, ouais. Pas plus? Non, pas plus. Non, mais je sais pas, si je suis à 32, on va pas me virer quoi. 32, je m'en fous. Bien prendre ce temps, parce si les gens se dépêchent, parfois elle se lâche là. Elle fait ça. Donc vaut mieux prendre son temps et bien la poser. Ouais. Voilà, on est dans les backstage du Palais des Congrès. Il y a 3000 personnes qui attendent avec impatience l'intervention, apparemment. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que j'arrive toujours en fauteuil, donc je dois toujours être en fauteuil le reste du temps. Mais là, en backstage, je peux me mettre un peu debout pour me décontracter. C'est moins stressant quand il y a plus de monde que dans des petites salles. Et enfin, c'est une ambiance complètement différente. Là. Là, en plus, je l'entends depuis tout à l'heure, les gens, ils sont bien chauds, ils applaudissent, c'est un peu pour un rien, donc ça va être une énergie hyper positive, très 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 positive. Le track, du coup? Hein? Le track? Le track, non, enfin, oui et non, en fait. Mais c'est un peu comme une compète de moto, tu vois, où t'as envie de donner le meilleur de toi-même. Et inspirer les gens, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que... Et tu dis, est-ce que je vais être à la hauteur, tu vois? Est-ce que je vais réussir à donner le max? Est-ce que je vais réussir à impacter le maximum de monde? C'est 3000 personnes, chacun, peut-être même changer leur vie, c'est vrai, ça peut changer une vie, l'intervention. Je dis ça parce que j'ai, par retour d'expérience, des gens qui sont déjà venus me voir, disant que ça leur avait vachement impacté,
Donc ouais, un peu le track. Si on n'a pas le track, c'est pas normal, je crois. C'est ce qu'on a déjà dit. C'est pas bon. Hein ? C'est pas bon, c'est pas bon. Je vous demande juste d'applaudir et d'accueillir comme il se doit. Chaleureusement. Axel, allez plus. Je vais vous demander de l'applaudir encore une fois, ça nous fait. C'est vérité. Avec des élèves, déjà on va avoir deux succès. Day. Bah non, vous avez dit que 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 termine, tu vois. C'était le feu, hein. T'as vu la queue qu'il y avait. Le plus dur, c'est de faire la conf et après, tu vois, enchaîner le. Il y a des gens qui reviennent. Ah, vous avez oublié. Bah oui, la carte. Et la carte. Non, j'en ai deux. Ah, ok. Attends, moi j'en ai deux. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, c'était ouf, c'est des gens qui avaient une énergie de dingue, de malade. C'était vraiment exceptionnel. En fait, on se dit que ça a un réel impact et tu vois que tout ce que j'ai pu pitcher, bah, ça impacte les gens et ça peut peut-être changer des vies, comme je l'ai dit avant de commencer. Et avoir des retours à chaque fois, génial, ça me fait prendre conscience de ça. Bah c'était... J'ai même vu des gens touchés. Des gens qui pleurent en disant bah j'ai peut-être aussi un proche comme ça et ça me fait penser à lui, j'ai envie de lui transmettre cette énergie. Il a fait le Dakar. Hein? Non, il a... Hey, l'agent, moi j'étais... Ouais, j'étais en sécurité. Il était en sécurité sur le Dakar. Comme quoi, rien n'est à... Je te demande un petit. Merci. Attends, je vais aller voir, j'ai envie d'aller voir la salle. Attends, on va checker, voir un peu ce que ça donnait. Oh. Je vais prendre un snap. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le corps? Essaye de sortir. Ouais, encore un autre ascenseur. C'est pas personnel ça. Mais je crois qu'il l'a débloqué. On va essayer. Ouais, c'est là je pense. Ouais. On va où déjà? Moins 2. Moins 2, y'a pas. Y'a pas ? Moins 1. Je pense que c'est moins 1 et on reprend un autre, vas-y. T'es sûr ? Alors on va essayer. On va essayer. On se fait tous comme ça. On est pas là. T'es toujours pas là ? Je sais bien. Je pense qu'il faut monter au 2. Au 2, t'as raison. 2. On monte au 2 et après. Au 2. Là, le 2, il dit non. Ah ouais ? Là, tu peux pas. Tu peux pas aller au 2. Ah ouais ? Moi, je vais du combo. Tu viens de combo ? Je peux pas aller au 2. On va essayer l'autre ascenseur. Vas-y, on essaye. Attends. Ah non, on est au même endroit là. Non mais en fait c'est un foutoir parce qu'on nous a débarqué, là c'est la fin, tout le monde s'est barré. Ouais. Et on a dû prendre 5 ascenseurs pour aller dans à cause des adaptations. Donc c'était un peu avec des accréditations compliquées. Donc je pense que là peut-être ouais, effectivement. Faut aller au hall passif. Ah pareil, tout ah, putain. Putain. Bah vas-y, je vais lui dire que c'est pas les deux. Ouais. Bah, écoute, tu peux nous filer un guide. On reste dans l'ascenseur et qu'est-ce que tu as pensé de la conf? Ce que j'ai apprécié, d'abord tout a été génial, ah ouais. Mais c'est le mental. Ah, le mental. Tu avais tout pour abandonner, tu avais tout pour dire voilà. Dire voilà, la vie a fait ce qu'elle a fait, mais tu t'es donné des challenges
qui apparemment étaient difficiles, ouais. Mais tu les as relevés. Et du coup, je me suis dit, mais si lui peut le faire, toi aussi tu peux le faire. Ou la science a dit, c'est fini, tu peux pas marcher, tout ça. Mais tu as continué à croire que tu peux le faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Si j'en crois à mon sens de l'orientation de Dakariste, moi je te suis plus. Montre-nous le Dakariste. Tu veux pas Riyad. Lui, il faut à la gauche, il va à droite. Mais c'est une blague. On dirait trop les films où ils sont perdus à mort. Non. Je perds après une conférence, ouais. Il vaut mieux se perdre après qu'avant. C'est là, tu vois. C'est là. Ouais, je suis sûr. C'est là. C'est là. Je pense que c'est là. Vous avez fait tout le parcours avec nous alors qu'on galérait, nous, mais pas trouvé la voiture. Celui qui s'occupe des autres a perdu d'avance, voilà. Ouais. Parce que si tu t'occupes des autres, les gens qui vont peut-être te démotiver, qui vont te briser tes rêves, bah voilà, il faut pas que tu t'en occupes, il faut que tu crois en toi et que tu aies la confiance en toi.